Salut, salut! Bienvenue sur Another Homepage. Comme d'habitude, je suis Nils et on se retrouve pour cette fin de week-end, le stream du dimanche soir, et en ce moment, on cause NetBSD. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un excellent week-end et j'espère que vous êtes prêts pour cette nouvelle vidéo. Echo? 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 Sans écho? Sans écho. Parfait. Salut à toi Xavier, j'espère que tu vas bien. Oui, effectivement, écho. Il y a un des onglets Twitch dans lequel j'ai le chat qui faisait le son de la vidéo. Pourtant, je pensais que j'avais enlevé la vidéo, mais... croire que ce n'était pas le cas. Bien. Donc, où en sommes-nous? Eh bien, nous en sommes au stream du dimanche, contribution à NetBSD et package source. La semaine dernière, on a passé pas mal de temps sur Logrotate dans sa version Git. Il se trouve que j'ai un peu zappé de remettre en local les dépôts CVS et Git. Donc ça va ramer un petit peu encore ce soir, je pense. Mais j'ose espérer que malgré tout, on arrivera à faire des choses. Après tout, on a réussi la semaine dernière. Alors, je pars un peu tout de suite dans le vif du sujet. Je vais revenir quand même un petit peu sur l'objectif, histoire de introduire comme ça au moins le sujet pour celles et ceux qui arrivent dès le début. En gros, l'idée de ces streams, c'est de faire tout simplement du packaging pour le système d'exploitation NetBSD. Aujourd'hui, les systèmes d'exploitation BSD, dont NetBSD fait partie, ont de ça en commun avec les distributions Linux, qu'une bonne partie des logiciels sont disponibles sous forme de paquets. On a les deb pour Debian, on a les RPM pour les trucs type Red Hat, je pense à Red Hat, Fedora, Mageia, SUSE. Il y a d'autres formats, je pense à la distribution Alpine Linux qui a son format APK. Et il se trouve que sur les BSD, ils ont, alors généralement, ils ne se sont pas embêtés à créer un format, ça va être des archives, au format TarGZ ou TarXZ dans certains cas. Et dans le cas des BSD, on a quand même une petite différence, c'est qu'on a un système de base qui lui est installé sans package, et les packages sont là pour les logiciels qui ne sont pas de la responsabilité directe du projet. Ce sont les logiciels tiers. Et dans mon cas de figure, eh bien, je cherche à mettre à jour ou à rajouter des packages pour le système d'exploitation NetBSD. Le système de package de NetBSD s'appelle Package Source, et il a de ça de particulier que ce n'est pas juste pour NetBSD.
on peut utiliser Package Source sous d'autres OS que NetBSD. Par exemple, Linux. On peut envisager de bootstrapper Package Source sous Linux, même si dans certains cas de figure, ça n'a que peu d'intérêt. Certains le font quand même. Et effectivement, Xavier, comme tu le dis, on peut le faire sous macOS. Ça a un peu plus d'intérêt, mais c'est vrai qu'avec la concurrence de MacPort et surtout de Homebrew, qui est vraiment le package manager pour macOS, qui est vraiment, je pense, le plus populaire actuellement, bah, c'est de la concurrence, mine de rien. Quelque part, c'est aussi un peu, j'ai envie de dire, diviser les efforts. Je trouve ça un peu dommage. Il y a MacPort, il y a Homebrew, il y a Package Source pour macOS. Alors d'un côté, on a de la diversité, et de l'autre, eh ben, les efforts sont malheureusement un peu étalés. Ceci étant, alors sous macOS, j'ai utilisé Package Source, ça marche très bien. Et j'ai utilisé aussi Homebrew, et ça marche très bien aussi. Il est même possible d'utiliser Package Source sous les autres BSD, hein, bien entendu, FreeBSD, OpenBSD, DragonflyBSD. Alors, je ne sais pas pour Homebrew et MacPort. J'ai honnêtement, la dernière fois que j'ai utilisé MacPort, ça s'appelait encore DarwinPort à l'époque. Donc, je t'avoue que je n'y ai pas touché depuis très longtemps. Nous, on va se concentrer plutôt sur Package Source. Pourquoi ? Bah parce que la cible principale de ce stream, c'est, ça reste NetBSD. Alors, j'étais en train de regarder juste au moment de démarrer le stream si je pouvais pas en profiter pour faire quelques mises à jour des dépôts. Et je pense qu'on va commencer avec un petit peu de maintenance du côté de la machine de développement. Donc on va tout de suite passer sur le terminal. Je suis sur ma machine entre guillemets de développement NetBSD, hein, si je fais un petit NeoFetch. Voilà, NetBSD. Tiens d'ailleurs, je suis en train de me dire, si je fais un petit htop, j'ai mis que 2 vCPU. Ça pourrait être une idée que j'en mette plus. On verra si c'est nécessaire. On verra. Alors, je suis dans le répertoire Package Source. Je vais faire un petit CVS update, moins petit d grand p. Permission denied. Sérieux, permission denied? Pourtant j'ai exporté ma classe SSH, mec. Pourtant je l'ai fait. Je vais passer ici, on va aller dans share. J'étais dans project. Ah oui, document. Project, ça commence bien. Je crois que c'était CVS, NetBSD, NetBSD en minuscule ici. Hop, et on est dans Package Source. Si je fais un CS update ici. Ça se traîne, on voit pas grand chose. Mais là déjà c'est un peu mieux, je trouve. Je pense que je vais faire pareil côté Git. Tiens, je vais d'ailleurs tout de suite y aller. Comme ça, on va paralléliser. Package source. On va aller dans WIP. Et là, par contre, on est dans un dépôt Git. Si je fais un Git LG, est-ce que j'ai... Alors, le dernier commit, c'est celui que j'ai fait dimanche dernier. Et je pense que je dois avoir une petite blague. Je dois avoir une petite blague qui est que je sais qu'il y a eu des commits depuis. Je le sais. Pour une raison très simple, c'est que je suis abonné à la mailing list Package Source WIP et on reçoit un mail à chaque nouveau commit. Enfin, en tout cas, à chaque nouveau push. Donc, j'ai vu sur la mailing passer des nouveaux commits. Donc, il y a des trucs après ce que j'ai fait. Bien. Bon, au moins, ça a un avantage de rester sur ce... Alors. Pendant ce temps, est-ce que moi, je peux... Qu'est-ce que je peux... faire pour avancer.
Alors, il va y avoir, je pense, en termes de package sur lesquels je vais vouloir travailler ce soir. Enfin, travailler. Sur lesquels je vais vouloir avancer. Je pense que déjà, je vais passer Log Rotate sur une version plus récente, donc. Puisqu'on a la version Git qu'on a fait la semaine dernière, qui est plus récente que la version stable. Donc on va pouvoir, je pense, faire l'update de la version stable dans Package Source. Et puis ensuite, je pense que on va revenir sur Dehydrated, parce que globalement ça fonctionne sur ma machine, sur une machine de test. Enfin non, pas sur ma machine de test. J'avais carrément si vous vous rappelez dans les streams précédents, j'avais refait un package Dehydrated. Et ensuite, je l'avais poussé sur une machine sur laquelle j'ai du Let's Encrypt qui tourne et j'ai pas eu de soucis. Comment est-ce que je sélectionne les paquets? C'est-à-dire les paquets sur lesquels je veux contribuer? Alors, dans un certain nombre de cas de figure, ce sont des paquets qui n'existaient pas et que j'ai créé moi. C'est-à-dire que je me suis occupé de faire l'import. Donc typiquement, à ce titre, je suis le mainteneur officiel, d'une part de Log Rotate, d'autre part de Dehydrated, et en troisième lot de Fail to Ban. Donc en fait, n'importe qui peut quand même contribuer à ces paquets, peut faire les mises à jour. D'ailleurs, d'autres les ont fait sans moi, et certains même m'ont rien demandé. Mais il est de bon ton, généralement, quand on veut faire des actions sur un paquet qui a un mainteneur officiellement déclaré, d'aller lui en toucher un mot. Pour d'une part éviter que si jamais le mainteneur est en train de travailler sur ce paquet, il y ait un petit souci et que les efforts se télescopent. Salut à toi Chavenet, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu as passé un excellent week-end. Qu'est-ce qu'il me dit? No tracking information for the current branch. Please if you want to rebase against. Ah bah git pull et bah ce sera ah bah pff, parfait, c'est celle-ci, c'est ça, hop, non, branche au moins cette upstream tout. Pourquoi il me dit no such file or directory bash branche? Attends, on va le faire là, on va éviter de copier-coller. Git branch -- set upstream to égale origin slash master. Ah oui, d'accord, ok, hop. Voilà, comme ça mon git pull -r, il va pouvoir... Parce qu'en fait, du coup, je rebasais pas, je faisais les pulls, mais je rebasais pas, ok. Ok. Allez, et pendant ce temps, où est-ce qu'on en est là? Le CVS update, il n'avance pas. Enfin, il n'avance pas. Il avance, mais on ne voit pas, et ça doit se traîner un peu, je pense. Ah bah écoute, ravi que tu passes un super week-end, alors. Il y a des fois, je me sens un peu comme... Alors, je... Hop, voilà, fort bien. Et si je fais un git lg... Voilà, alors... Eh, il s'en est passé des choses, hein. Il s'en est passé des choses, regardez. On va essayer de revenir. Voilà. Donc, dimanche dernier. Salut à toi, Elwir. Bienvenue d'ailleurs, First Time Chat. Bienvenue sur la chaîne. Je sais pas si tu as déjà entendu parler. Est-ce que tu as besoin que je te fasse une petite présentation? Peut-être que tu es un lurker de longue date. Ce qui pose aucun souci. Pendant ce temps, donc je disais, voilà, ça c'est le commit, là, ce que j'ai mis en sélectionné, c'est mon commit de la semaine dernière, quand on avait fait donc la mise à jour du log rotate au niveau des versions de développement. Et depuis, il y a eu tout ça. Voilà, il y a eu tout ça. C'est quand même pas mal.
Alors, tu tombes par hasard et tu vois du Linux Unix. Alors effectivement, là on est plutôt dans le monde BSD, mais habituellement, il m'arrive de streamer du Linux aussi. De toute façon, la machine de stream est sous Linux. Hein. Ça, c'est pas négociable. Eh bien, en gros, tu es sur Another Homepage. Je suis Nils. Et ici, on stream pas beaucoup de jeux, quasiment jamais. Ça arrive un petit peu de temps en temps. Mais globalement... oh bah, parfait, voilà. Merci Chaos pour le raid. Oh, 50, dites donc, vous êtes adorables. Allez, venez les raiders, ça tombe bien, on n'a pas encore vraiment démarré. Pour celles et ceux qui ont l'habitude, ce soir, comme tous les dimanches soirs depuis quelques semaines maintenant, eh bien, ça va être soirée de contribution à NetBSD, au système d'exploitation NetBSD. Voilà, donc on est plutôt sur du stream un peu tech, un peu admin 6, réseau, j'oserais presque dire parfois un peu de code. Là, en l'occurrence, on va surtout toucher du Makefile, hein, on va pas se mentir. Ça va pas forcément aller très loin sur les... voire même pas du tout loin sur la programmation, parce que c'est pas mon métier de toute façon. Voilà, voilà. Bon, qu'est-ce que vous avez fait de beau chez Chaos? Racontez-nous. Vous êtes bien amusé? Un petit CTF, un petit Hack the Box, un petit... ou un peu de jeu, peut-être? CTF, ok. C'était du CTF. Bah, c'est cool, ça. Salut à toi, Little Black. Salut, Loulol. Qui est des trucs. Bienvenue, Loulol, d'ailleurs. Little Black, toi, t'es un habitué. Je te laisse... j'ai envie de dire, limite, t'as ton... ta place attribuée sur le canapé, c'est ça? Il me reste... Bah, voilà. Installe-toi. Bah, installez-vous tous, d'ailleurs, hein. Mettez-vous à l'aise, nous on démarre à peine. Salut à toi Alain, j'espère que tu vas bien. Donc, où en étais-je? Donc la semaine dernière, ça c'était mon commit. Et depuis, comme vous pouvez le voir, il y a eu pas mal de choses. Alors il y a eu pas mal d'autres packages qui ont été touchés. Hein. D'autres ont été, voilà, il y en a qui ont été mis à jour généralement. Certains ont fait des imports. Voilà, des nouveaux paquets. Tu as fini la réparation d'une enceinte connectée. Ah, ça c'est cool! La réparation d'objets, ça c'est cool. Tiens, d'ailleurs, moi aussi, j'ai fait un peu de réparation pas plus tard qu'hier. Figurez-vous que j'ai une manette sans fil pour Nintendo Switch qui avait des petits soucis au niveau de son joystick, le fameux joystick drift. D'ailleurs, c'est marrant, vous allez rire, mais elle est là. Elle est dans le cadre, la manette en question. Et en fait, c'est très simple. Ce qui est chouette avec ces manettes, et pour le coup, je la trouve bien conçue, il y a littéralement 11 vis à retirer. Et ce sont toutes des cruciformes. Vous avez juste besoin d'un seul embout cruciforme pour démonter cette manette. Et ensuite, c'est coup de pinceau, bombe à air comprimée, on remonte, et ça marche mieux qu'avant. Je sais qu'il y a des gens pour lesquels le joystick est tellement abîmé qu'il faut carrément le remplacer. Et quand je dis le joystick, c'est pas juste le petit truc en caoutchouc, hein, c'est vraiment la partie où il y a l'action, quoi. Exactement, Little Black, je suis allé suivre le tutoriel chez iFixit. Et ça a pris moins d'une demi-heure, démontage, remontage inclus. Hein. Franchement, c'était génial. Et justement, alors le seul truc qui était un peu dommage, parce que j'ai un kit iFixit, pour... d'ailleurs, vous avez pu les voir, hein, les kits iFixit que j'utilise lors d'autres démontages. Et le seul truc qui était un peu dommage, c'est que y a deux vis, qui sont en fait un peu loin à atteindre. Et au lieu d'utiliser mes tournevis du kit iFixit, je me suis retrouvé à utiliser ce petit tournevis-là.
Et ce genre de petit tournevis, en fait, c'est du tournevis qui vaut trois fois rien. Et que j'ai eu dans des boîtiers pour disque dur externe en USB. Des fois, il y a des boîtiers, ils filent des tournevis. Et en fait, je les ai gardés. Et la raison pour laquelle ce tournevis-là était plus efficace, c'est tout simplement parce que sa tige ici est assez longue. Et en fait, l'emplacement de la vis est dans un truc un peu long. Et c'était le seul tournevis qui permettait de pouvoir atteindre la vis. Puisque, en fait, on peut voir la différence. Hop. On peut voir la différence, en fait. Donc ça, c'est... Alors, c'est peut-être pas un tournevis iFixit, mais c'est un peu le même style. Est-ce que j'ai pas un iFixit dans le coin ? Hop, si, j'en ai un. Hop là. Donc voilà. Là, j'ai un iFixit. Et vous pouvez voir qu'en fait, les tiges, j'ai forcément des embouts de... alors bon, là, ça a l'air d'être un torx, mais vous voyez le principe. Et ben là, on a beaucoup moins de longueur, en fait, au niveau de l'embout. Donc, c'était moins pratique. Mais en dehors de ça, honnêtement... Alors, Little Black, que les choses soient très claires, hein, je n'ai aucun... Je n'ai aucun lien avec les gens de chez iFixit, mais globalement, plus le temps passe, plus quand j'ai besoin d'outils de ce genre-là, je vais voir chez eux. Et les derniers, j'ai trouvé le moyen de me les faire offrir. Il y a des gens, des fois, qui cherchent à me... J'ai envie de dire, dans la famille, qui sont en mode « Nils, on sait jamais quoi t'offrir ». J'ai fait « Bon, bah, quitte à iFixit, hein, vous embêtez pas. » Salut à toi, Fixou! Alors, bah tiens, on va commencer les shootouts. Et on va commencer avec Fixoulab. Hop. Fixoulab. Tac. Tu es neutre, enfin intègre. J'espère. Alors, en parlant de neutralité pour. en parlant de neutralité et d'intégrité, voilà, je porte le t-shirt aujourd'hui, Fixoulab. Voilà. Mais très, très clairement, oui, Little Black, je trouve que les outils iFixit sont globalement de bonne facture. J'ai toujours été satisfait. Alors, la blague, c'est que OCS Inventory, je ne l'ai jamais utilisé. Je m'en suis jamais servi. Et donc, bah, écoute, je suis très content que les stickers te plaisent. N'hésite pas à faire tourner. Normalement, je t'en ai filé quelques-uns de chaque. Sauf certains cas de figure où je suis short en stock. Notamment le sticker Run BSD, j'en ai eu peu, donc j'essaie de regarder pour moi aussi. Bien, donc on avait ici du côté de Whip, ça allait, et je n'ai toujours pas fini mon CVS update côté du package source proper, on va dire. Donc ce que je vais peut-être faire, c'est que je vais faire ici un git grep. Moins i nils pour voir s'il y a d'autres packages qui sont dans mon giron, qui sont sous ma maintenance. Et je pense d'ailleurs qu'il faut que je fasse un peu de nettoyage, parce que je crois qu'il y a certains paquets, honnêtement, je m'en moque maintenant, donc je vais peut-être les virer. Hey, salut Cédric Aérodrone, bienvenue à toi. Ouais. Je suis en train de me demander si je ferais pas mieux de démarrer ça en deux... Ah, si, ça y est. Ah, quand même. Oh, punaise. Attends, s'il en est que là, le... Oh là là. On n'est pas sorti de l'auberge, dis donc. Ok, alors. ASQL, je m'en sers plus. Le DHCP, DSNMP, bah, le software a disparu. Je vais aller vérifier ça, tiens. Je vais faire tout de suite le ménage, comme ça. Hop. Alors. Voyons voir ça un peu, le makefile. Il est censé être où, le... DHCPD-SNMP.
si, tiens, il existe toujours. Quelqu'un l'a modifié, ça? Alors, pour être honnête, je m'en sers plus du tout de ce truc-là. Ça datait de l'époque où je m'étais mis mon propre serveur DHCP sur mon LAN. Et j'ai un peu arrêté. Ok. Donc, il y en a qui se sont... Ah, mais ça fait un petit moment en plus. 2016 que le mec il a. Et il y en a d'autres qui se sont amusés avec en 2018. Hey, salut Adrien! Allez. Hop. Est-ce que j'ai déjà usé mon. Hop. Voilà. Tu fais des efforts, t'es là tôt. Ah, c'est gentil, Adrien. Donc voilà, vous pouvez, après Fixoulab, vous pouvez aller poser vos follow chez Adrien de LinuxTrix. Ok, donc ça, je vais peut-être pas le dégager. Par contre, il faudrait que je vois... faudrait peut-être que j'envoie un message sur... sur les mailings pour dire, et au fait, ce soft, je ne m'en sers plus. Hop. Ça va se retraîner à nouveau. Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais garder ça d'un côté. Hop, on va copier ça. Direction. Un autre répertoire. On voit que je peux peut-être remonter dans mes... Hop, non, bah non, forcément, vu que j'avais fait un... Hop. J'aurais dû faire un Pipecat, ça aurait peut-être été beaucoup plus sympa. Et pendant ce temps, lui, il avance. Oh, j'aurais vraiment dû le lancer en pré-stream. Bon, idéalement, en fait, j'aurais dû... Alors, donc pour l'anecdote, pourquoi est-ce que c'est lent? Pourquoi est-ce que ça se traîne, la mise à jour de ce dépôt CVS? Ça se traîne parce que, 1, c'est dans une VM. 2, c'est via un partage NFS. Et c'est surtout le fait que ce soit dans un partage NFS que ça se traîne, puisque la VM est sur une, bah elle est sur ma machine locale, sur ma machine de stream, qui a un SSD et qui a normalement un peu de puissance, donc de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Ah oui, là, ça se traîne, hein. Honnêtement, les CVS updates, d'habitude, ils vont plus vite. Hein. Je peux... Je sais que j'ai une autre machine sur laquelle j'avais installé Package Source et que je faisais quelques trucs. Pour moi, oui. Pour moi, je mets... Alors, c'est pas seulement le dos du NFS, c'est aussi le fait que du côté de la machine qui sert le NFS, on est sur du disque rotatif. Donc pour moi ça joue. Hein. Ça joue énormément. Ah, c'est allé un peu plus vite tout à coup. Ça n'est pas donc... Oui, ouais, oh, ouais, bon, bref. Est-ce qu'il faut attendre la fin du CVS pour continuer? Eh bien, j'espère que non. Je voulais juste regarder du côté de WIP si j'avais d'autres choses... Le Grotesque Git, on s'en est occupé. Oui, Little Black, ce sont beaucoup de fichiers de petite taille en plus, donc ça n'aide pas. Ah oui, ça PHP Malware Finder, on avait vu la semaine dernière, ça il va peut-être falloir que je le dégage. P-Scanless, qu'est-ce que c'est? Pourquoi j'ai fait ce package? Slow HTTPS. Bon, il n'y a rien d'intéressant à ce niveau-là. Il faudra vraiment que je pense à dégager des packages de WIP, parce que honnêtement, je pense que je vais envoyer un mail, puis je vais dire, hey, au fait, il y a des softs
Parce que par exemple, typiquement, PimLQ, c'était sympa. C'est sympa. Mais je suis pas sûr que ce soit encore développé, en fait. PimLQ. La vidéo d'Olivier Arène. Ah bah Chavenet, tu peux la poster dans le chat, hein, si tu veux. Alors, c'est sur GitHub. Hop. Est-ce que le soft a évolué depuis? J'ai comme un doute. Dernière release 2017. Tout a plus de 6 ans. 0.5.3. Ah, 0.9.0 quand même. Bon, après, faut avoir un postfix dans le coin pour s'en servir. Donc, ça va pas forcément être très, très, très intéressant. Ce que je vais faire, parce que je pense que ça ira plus vite si je le fais comme ça, c'est que je vais couper le CVS update. Et ce qu'on va faire, c'est que je vais me mettre ici. Donc là, c'est bien le lien symbolique. PKGSRC-NFS. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un mkdir pkgsrc et on va faire un rsync -avp de pkgsrc-nfs slash dans pkgsrc slash. Et rien que ça déjà, ça va être un petit peu plus rapide. Et ensuite, je vais faire le CVS update directement sur ma bécane. À la base, j'envisageais de mettre le serveur NFS sur mon PC. Mais je me suis dit que ça ira plus vite de le mettre sur mon NAS à la maison. Et ce serait sans doute plus... comment dire, ce serait mieux d'un point de vue disponibilité. Parce que de toute façon, sur le NAS, j'ai du RAID. Alors attention, le RAID, c'est pas des backups. Mais... Remarque, je peux peut-être continuer le... parce que là, j'étais sur mon PC, en fait. C'est beau, ça. Je vais passer une heure à améliorer le setup et puis je vais passer une heure à contribuer, en fait. Si je relance le truc... De toute façon, la vitesse à laquelle ça va aller... Et ici, ah oui, ça j'avais fait les... Hop. Alors, on va s'assurer quand même que project CVS NetBSD. Ça va, ça. Ça... 126 mégas, bon. Alors, pendant ce temps, à la rigueur, ce qu'on va faire, on va se connecter sur la machine NB test. Voilà, ici. NB test 10. On va passer les mises à jour. Alors, comment on passe les mises à jour en binaire avec PKGin? On commence à faire l'équivalent de la PT update, à savoir bah, PKGin-F up. Enfin, je pourrais faire juste PKGin up, mais j'aime bien faire le -F.
Et puis ensuite, on peut faire un sudo pkg infug, et a priori, tout va bien, on est à jour. Ça, c'est cool. Et ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire pareil sur la... Hop là, SSH, nb test 93, pkg-f, hop, tac, et on va refaire pareil, on va faire un fug. Alors pourquoi fug? C'est full upgrade. Et d'ailleurs, je peux peut-être montrer, hop, ici, man pkgin, hop, et en gros, on a un update quelque part, voilà, update, et upgrade. Et en fait, il y a des versions plus courtes, en fait, de ces verbes. Et dans le moins f qui est en force database update. Donc limite je pourrais faire moins f fugue à la limite. En lisant bien la documentation, peut-être qu'il y a moyen de s'arranger. Alors, oups là, pkgin, fugue. Et il n'y a pas de mise à jour. Ok, cool. Pendant ce temps, il en est où lui là? Hop là. Il en est à devel. Comme ça au moins, il avance. Donc ça c'est cool. Ça c'est très cool. On va espérer que ça aille. En tout cas, ça a l'air de... Ça a l'air d'avancer assez rapidement, en tout cas à ce niveau-là. Et pendant ce temps, lui... Ouais, parce que là, il en était à quoi? Il en était à devel quelque chose quand je l'ai arrêté. Ce que j'aurais d'ailleurs pas dû faire. Et là, il en est déjà à doc. Donc il a déjà... Toujours comme ça, on commence puis on se dit mais si j'améliorais ça, et puis finalement sujet principal avance pas vite. Alors, ce qu'on va pouvoir faire pendant ce temps... Alors, est-ce que j'ai un autre package ici? Non. Alors, il y a un autre truc sur lequel j'aurais aimé démarrer, en fait. Il y a un autre sujet sur lequel j'aurais aimé démarrer. Est-ce que j'ai moyen, en me mettant ici, de faire un cp-rvp2 security? Non. On va aller dans 3W et on va aller voir nginx-devel. Il y a un truc que je voudrais regarder sur ce package en fait. Ce package. Alors, que je vous explique un petit peu d'abord comment c'est packagé côté NetBSD pour Nginx, parce que vous avez vu que je suis allé dans un répertoire qui s'appelle nginx-devel. Et que là j'ai un petit makefile sympa. Et que si je quitte d'ailleurs ça et que je vous fais un petit ls, vous pouvez voir qu'il y a un makefile. Il y a un option.mk. Et si je fais un pygrep nginx, normalement vous allez vous. Pygrep. Hop. Voilà. Donc on a deux. Il y a deux répertoires, il y a deux packages. Et si jamais je vais d'ailleurs sur cette machine là. Salut à toi Nebed. Et que je fais un petit sudo pkgin se nginx. Vous allez remarquer que on a un Nginx et on a un Nginx-devel. Donc Nginx, c'est le fameux serveur web, hein, le serveur web. Oh bah écoute, moi ça va très bien et toi, j'espère que tu as passé un bon week-end. Donc Nginx, le fameux serveur web et reverse proxy. Et en fait, le mode de développement de Nginx, c'est d'avoir entre guillemets deux branches. Une branche stable et une branche qu'ils appellent eux plutôt mainline, pas forcément devel. Et en gros, ce qui se passe, c'est que quand ils font des mises à jour dans la branche stable, ils garantissent, les gens de chez Nginx, ils garantissent que normalement il n'y aura pas de, rupture de compatibilité binaire normalement. C'est-à-dire que si par exemple vous créez votre propre module pour Nginx, votre module custom, normalement, si vous le compilez pour Nginx 1.22.0,
Et ben si vous passez à Nginx 1.22.1, normalement, il n'y a pas de souci. Tu vois la fin de ta migration. Quelle migration ? Je me demande quelle migration tu effectues. Il se trouve que, par contre, la version Devil, ils s'affranchissent de cette contrainte-là. Donc, quand on est en Nginx 1.23, par exemple, bah, entre la 1.23.1 et .2, ou .2 et .3, si jamais ils ont besoin de faire une rupture de la compatibilité, bah, ils la font. Et de toute façon, ce qui se passe, c'est que la version 1.23, en fait, elle contient des nouvelles fonctionnalités qui vont être ensuite passées en version stable, qui sera la 1.24. Et en fait, quelque part, Nginx utilise une organisation qu'on pouvait retrouver dans le noyau Linux il y a une certaine époque, où on avait des numéros de version, où le numéro de version du milieu en impair signifiait que la version du noyau Linux était instable. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Hein. Mais à une époque, par exemple, quand on avait le noyau 2.2, on savait que c'était une version stable, et la version en développement était la version 2.3 du noyau. Et que les nouveautés de la version 2.3 seraient stabilisées pour donner le noyau 2.4. Et c'est ce qui s'est passé ensuite pour le noyau 2.5, qui était instable, enfin dit instable, dit de développement. Donc, tout à fait, Nginx pair stable et impair unstable. Après, honnêtement, le Nginx Devil, de ce que j'avais essayé par moment, ça passait pas mal. Hein. Tu as trop de PC en prod, donc tu réduis par étapes et tu arrives vers un PC mais gavé de disques. Je vois. Je vois ce que tu veux dire. Je crois que j'arrive aussi à un point comme ça où il y a beaucoup d'ordinateurs de mon côté. Donc, ce qui se passe, c'est que on va aller jeter un petit coup d'œil pour voir un peu comment c'est organisé. Et un truc que je voudrais vérifier, je ne sais pas si vous avez, peut-être que certains d'entre vous connaissent plutôt bien Nginx, mais une des particularités de Nginx pendant longtemps, c'était que on ne pouvait pas utiliser de module dynamique. Je m'explique. Quand vous avez un serveur web Apache, vous pouvez faire du chargement et du déchargement de modules de façon dynamique. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de recompiler Apache pour charger ou pour décharger un module. Exemple typique, si par exemple vous avez un module, vous utilisez Apache avec le module PHP, et ben vous pouvez commenter les lignes de chargement de PHP dans votre configuration Apache, vous redémarrez Apache, et hop, Apache ne charge plus le module PHP. Et vous pouvez, si vous avez déjà Apache et que vous installez le module PHP déjà compilé pour cette version d'Apache, ce qui est généralement le cas quand vous allez utiliser les paquets officiels de la distrib, vous pouvez juste configurer votre Apache pour lui dire « Eh, au fait, le module .so, il est par là-bas. » Et vous relancez Apache, et hop, vous avez les fonctionnalités de PHP qui sont disponibles. Donc ça, c'est le classique que beaucoup de gens, dont moi, ont connu avec Apache. Et en fait, jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, il n'y avait pas ça dans Nginx. Ça a fini par arriver. Alors l'une des raisons pour lesquelles ça n'existait pas, c'est tout simplement pour des questions de performance. Puisque Nginx a été créé pour des raisons de performance. Et il a fallu attendre d'avoir une implémentation qui ne soit pas trop impactante au niveau des performances pour cette histoire de module dynamique. Donc j'espère que cette petite histoire vous a intéressé, cette explication en tout cas. Si jamais c'est pas clair, n'hésitez pas, hein, je vais revenir dessus si besoin. Donc, ce que je voudrais, c'est aller dans le répertoire. Alors on va rajouter un œil dans le répertoire Nginx. Et là, Attends, on a une option.mk. Il n'y a plus de common ? Ils ont... Il n'y a plus d'include des versions... Ok. Forcément, il rentre en conflit. À une époque, en fait, les deux packages... À moins que ce soit les options qui sont dans include option.mk. Non.
Alors, Chavenay, normalement, ça n'est plus forcément le cas aujourd'hui. Normalement, aujourd'hui, tu peux faire du module dynamique. Hein. Et ce que je voudrais regarder, en fait, c'est... Ce que je voudrais voir, c'est est-ce que, par hasard, du côté de NetBSD, et donc de Package Source en particulier, est-ce que maintenant, on a utilisé ça? Parce que pendant un temps, il y a eu... Alors, Nebed, oui, je suis passé sur la chaîne d'Inforea au moment où il a dit que il y avait une... Il était allé sur une autre chaîne Twitch et où il y avait eu un gars... Ouais, j'étais là. J'étais là. Et si je me rappelle bien, il n'a pas cité le nom de la chaîne et il ne voulait pas le faire. Ce que je peux comprendre. Il n'est pas là pour allumer le feu aux poudres, pour mettre le feu aux poudres. Et c'est tout à son honneur. Alors, si jamais, tiens d'ailleurs, on va faire un petit shootout à Inforea. Hop là. Donc, si jamais. Hop. Inforea. Tac. Voilà. Pareil, je vous invite à aller suivre sa chaîne aussi. Pour une raison très simple, c'est que justement, Inforea, lui, il répare des ordinateurs. Il donne une seconde vie à des ordinateurs portables. Beaucoup à des ordinateurs portables, un peu aussi à des consoles et des téléphones, mais surtout des ordinateurs. Et je trouve ça super tout ce qu'il fait, puisqu'ensuite, les machines qu'il récupère, qu'il remet en état... Généralement, il les redonne à des assos ou à des écoles. Donc, je trouve ça assez génial, ce qu'il fait. Et je pense qu'il mérite du soutien. Alors, il a une chaîne qui est de toute façon beaucoup plus importante que la mienne. Mais si jamais vous ne connaissez pas déjà, je vous invite à aller au moins jeter un œil. Et puis, en plus, globalement, les streams d'Inforea... alors, moi, je suis généralement en train de travailler quand il stream. Mais quand je peux, je me le mets et ça fait une petite ambiance sympa. C'est toujours assez agréable de l'avoir au moins en fond. Donc, ce que je voudrais voir, moi, c'est d'une part, est-ce que dans Package Source, le paquet Nginx permet de faire du module dynamique? S'il le permet, est-ce que c'est activé par défaut? Et il y a un autre truc que je voulais vérifier, mais a priori ça a été scindé en deux, c'est voir si du côté de... en fait, il fut une époque où il y avait des fichiers communs entre Nginx et Nginx Devel. Et a priori, ça a été scindé. Ok. Ça a été scindé. C'est peut-être pas plus mal. En parlant portable, faudrait que je finisse de remonter. Ah bah oui, oui. Surtout si c'est un laptop d'intervention. Tu risques d'en avoir besoin très rapidement. Je vais faire un vimdiff. Nginx slash makefile. Et nginx-devel slash makefile. Hop là. Donc forcément les numéros. Ah tiens, marrant ça. Master Site, lui, il est passé en HTTPS. Donc forcément, ils rentrent en conflit l'un avec l'autre. Je pense que ça doit être pour ça qu'ils ont changé les noms des packages. Parce qu'à une époque, les deux packages s'appelaient Nginx. Et en fait. Ce qui s'est passé, c'est que, à mon avis, il y a des gens qui devaient faire des upgrades accidentels de la version stable vers la version mainline. Et le mainteneur a changé, d'ailleurs. À une époque, c'était pas lui, je crois. Post-patch. Ok.
Ok, très bien. Bon, nous, on va aller se concentrer sur la version stable, je pense. Comme ça, on va pas se casser la tête. Et on va jeter un coup d'œil un peu plus au makefile. A priori, il y aurait des choses intéressantes qui font que... Alors, les arguments du point slash configure, qu'est-ce qu'il dit? Parce que ça, c'est intéressant. Alors, est-ce que je peux faire... Est-ce que je peux aller ici? Voire même... On va plutôt aller là. Ok, il y a tout ce qu'il me faut ici. Et si je fais un petit make fetch. Ok. Si je fais un make extract. Ok, c'est cool. Et si je fais juste un make. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Je suis en train de compiler Nginx. Tout simplement. Je ne suis pas en train de faire le package, je ne suis pas en train de créer le paquet binaire. Je suis juste en train de compiler Nginx, et ça va être dans un répertoire temporaire. D'ailleurs, la machine, à mon avis, elle va être... Hey, il a fini le rsync. Allez, on le relance. Je le relance parce que comme il y a un CVS update qui tourne en parallèle... Par contre, je vais peut-être me mettre un petit hashtag. J'ai Btop là-dessus ou pas? Je l'avais installé ou pas, Btop? Non. Il y a peut-être l'ancienne version, BpyTop peut-être. Non plus. Et Bashtop peut-être? Non plus. Bon, bah, hop, Bashtop sera suffisant. Load average 1.85, donc ça va. Il y a le rsync qui tourne et il doit y avoir un... Non, le CVS update, il tourne ailleurs, normalement. Il tourne ici. Et il en est à Editors. Ok. Hop, voilà, il refait la synchro pendant ce temps. Et donc pendant un moment, moi j'avais remarqué que côté package source, il y avait un peu de lag sur cette feature de module dynamique, donc j'aimerais bien voir si Nginx maintenant le permet. Donc dans mon répertoire work, slash work, normalement je dois avoir un voilà, Nginx et obj Nginx. Voilà, j'ai un Nginx qui est compilé. Qu'est-ce qu'on a? Oh, c'est cool ça, TLSSNI support enabled, build with OpenSSL 1.1.1, ça c'est logique vu que je suis sur un NetBSD 10, si je tape un OpenSSL version, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Configure argument with LD opt. Ah, ça a l'air classe ça. Ça a l'air classe. Work Nginx obj. Ah non, j'ai qu'un contrib man src obj. Alors a priori, on serait toujours sur le... Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur nginx.org. Et on va aller regarder la documentation. Building Nginx from sources. Alors. Donc on a les modules. Ok. Est-ce que on a le dynamique quelque part? Alors. Module pass. Define the directory where Nginx dynamic module. Ok. Est-ce qu'on a un module pass quelque part dans le...
On a dit que c'était module-pass. Ouais. Donc a priori, on est toujours en module... Salut Nidouille, j'espère que tu vas bien. Donc a priori, on est toujours en module... En module statique. Hein. Alors... On est toujours en module statique. Donc c'est un truc que je vais vouloir peut-être faire, un de ces quatre, c'est passer en module dynamique. Et peut-être envoyer un message au mainteneur de Nginx pour savoir si, si c'est quelque chose qui l'intéresse. Ah oui, c'est vrai que t'étais à FRNOG. Bah écoute, oui, ça va toujours. Hein. OpenSSL 1.1.1 et bientôt enfin, est-ce que c'est Nginx qui décide ou c'est toi pour changer Open. Alors, Chavenet, c'est une excellente question. En gros, si je fais un petit PKG info pipe grep OpenSSL, tu remarqueras que je n'ai pas de package OpenSSL qui est installé. Et si je fais un witch OpenSSL, je suis dans slash usr slash bin slash OpenSSL. Salut à toi Azlark, bienvenue. En gros, OpenSSL, il est comment dire, il est il fait partie du système de base. Une mise à jour d'OpenSSL, ça voudra dire sans doute une nouvelle release de NetBSD. En l'occurrence ici là on est sur un NetBSD 10 bêta. Est-ce que dans les versions de développement actuellement netbsd.org, est-ce qu'on a récent changement? Hop. Alors, si je fais un open SSL, a priori, la mise à jour déjà vers la version 1.1t, elle a été faite au mois de février. Et OpenSSL, c'est quand même un composant qui est assez... assez central. Je sais pas si faire un upgrade comme ça vers OpenSSL 3, ce sera forcément... Non, je veux pas aller chez WolfSSL. Je veux aller chez OpenSSL. Il y a une documentation... Ah ouais, tiens, end of life. Alors, quand est-ce qu'il sera end of life? Ah ouais, quand même. 6 mois. Une faille le 28 mars. Bah après, faut quand même faire les mises à jour, donc... Alors... Si je reviens. Ah oui, 28 mars. Tout l'eau. Ah, c'est des lots. C'est des lots. Donc c'est pas. Ok. Et si je reviens sur ici et que je fais downloads, quelle est la dernière version d'OpenSSL qui est dispo? 1.1.t. Voilà, donc en gros pour l'instant sur la branche 1.1.1, on reste. Alors, Nidouille qui nous propose endoflife.software. Ah, sympa. Tac. D'accord. Une overview des applications pour lesquelles vous avez enregistré. Ah ouais, d'accord. Ah bah tiens, Security Libraries. Tiens, là ils ont pas encore mis le End of Life. Ils l'ont pas encore mis. Ni pour la ni pour la 3.0. Je sais pas quand est-ce qu'elle sera. En septembre en plus. Ouais, donc en fait, il faudrait passer sur OpenSSL 3.0. Mais j'avais cru comprendre qu'il y avait encore pas mal de soucis avec OpenSSL 3.0, non? Il y avait pas eu pas mal de bugs, hein?
Alors, je sais même pas quelle version d'OpenSSL j'ai sur mon Linux. Où est-ce que j'ai un shell là sur mon Linux? Ici. Ah non, je suis en 3.0.8. J'ai Fedora. Ok. Il est passé où mon... Allez, on va relancer un dernier rsync. Alors, est-ce que je peux passer à LibreSSL? C'est une excellente question. Sur le système de base, je ne crois pas que les gens de chez NetBSD aient prévu qu'on passe sur LibreSSL. Par contre, ce qu'on a normalement dans les packages, on a LibreSSL. Donc on peut envisager, dans certains cas de figure, alors, tiens, je vais peut-être regarder avec le... Ah non, il est où mon VI? Il est passé où? J'ai trop d'onglets. J'ai trop d'onglets, c'est officiel. Hop. Donc là, sur mon Nginx... C'est moi ou j'ai pas eu la notif? Merci Rhodes pour le follow. J'ai vu passer le message dans le chat, mais j'ai pas vu la notif. J'ai peut-être la notif qui est cassée. Bah mince alors. Tu me fais plus les notifs hein? Alert box. Bah alors. L'alert box, elle est où? Follow. Ouais, enable. Alors, la majorité des boîtes tournent sur le cloud. Je suis pas sûr de comprendre où est-ce que tu veux en venir, Azlak. Bon, toujours est-il que... hop, si je reviens là-dessus... tu vas chiffonner pas mal de gens qui ne jurent... Qui ne jure que par le on-premise. Ouais, effectivement. C'était juste une question. Honnêtement, je ne saurais pas te dire si c'est la majorité des entreprises. Je pense qu'il faudrait aller voir toutes les entreprises françaises, par exemple. Et c'est pas garanti. Ça dépend de ce que les entreprises font. Puis t'as des entreprises qui ne sont pas des entreprises informatiques. Enfin, vraiment, la question est très, très, très difficile à répondre, en fait. Donc, où est-ce que j'en étais, moi, avec mon... Oui, on parlait de LibreSSL. LibreSSL, donc, il est dispo dans les paquets. Oups là. LibreSSL, il est dispo dans les paquets. Où est-ce qu'il est, mon NetBSD, là? Il est passé où, mon NetBSD? Il est là. Hop. Donc, on a un paquet LibreSSL. Et ce que je voulais voir, c'était, est-ce que du côté de Nginx... Hop. Est-ce qu'on peut faire une... Alors, ah oui, c'est vrai qu'on a le bsd.pref.mk. Donc ça, après, si je peux aller voir... MK. Et on va aller dans... bsd.pref.mk. SSL. Non, il n'y a pas. Alors, option enable SSL. Et si je fais un git grep moins, enfin, pas avoir un git grep, mais un grep moins IR libre SSL. Ah, pourtant, tools depend. Parce que je sais que dans package source, tu as des fois des vieilles. Tu as potentiellement, voilà, dans Security OpenSSL, en fait, si je vais dans Security, tac, on va avoir OpenSSL. Ah tiens, les vieilles versions ont été dégagées. Ouais, bon, obligatoirement supérieur à 0.9.6, ça va maintenant. Mais t'as, voilà, t'as BRSSL, t'as LibreSSL,
t'as Wolf SSL qui est dispo. Je crois que tu peux configurer au niveau de tes options de package, quand tu builds tes paquets, tu peux dire je vais utiliser une autre implémentation de la bibliothèque de chiffrement. Maintenant, tu vas pour le système de base, le projet NetBSD a fait le choix de ne pas passer sur LibreSSL. Je ne sais même pas si la question s'est posée, je ne sais plus. Mais toujours est-il que j'ose espérer que de toute façon, si NetBSD 10 en version finale, parce que là je suis sur une version donc bêta, si NetBSD 10 sort avec un OpenSSL 1.1.1, la version d'après, la version 10.1, soit elle sortira avec une version patchée pour une raison X ou Y, si jamais il y a besoin. Soit après ça dépend aussi des vulnérabilités. On a pu voir que voilà, il y a une vulnérabilité low. Les gens de chez OpenSSL ont même pas sorti une version d'après. Donc bon. L'upgrade, ou en tout cas le switch vers, vers LibreSSL, il va se faire au niveau de package source, possiblement, si on le souhaite. Mais je pense que par défaut, les paquets, en tout cas NetBSD officiels, compileront avec avec le OpenSSL system. Par contre, c'est déjà arrivé que pour certaines anciennes versions de NetBSD, genre par exemple là on a NetBSD 10 qui va arriver, je crois qu'il y a encore des paquets officiels qui sont fournis pour NetBSD 8, pour les versions 8, et ben si jamais il y a un gros risque au niveau sécu d'utiliser la vieille version d'OpenSSL des versions 8 de NetBSD, et bien en fait, vu qu'il y a une version plus récente d'OpenSSL dans package source, par défaut, les gens qui s'occupent de faire la compilation des paquets officiels, eh ben, ils vont dire, au lieu de passer par le OpenSSL de l'OS, tu passes par l'OpenSSL de package source. Et donc ça, ça installera l'OpenSSL de package source, qui est plus récent et qui est normalement beaucoup plus, qui est encore supporté normalement. Voilà, voilà. Je sais pas si j'ai été très, très clair. J'ose espérer que j'ai été assez complet dans ma réponse, Chavenet. J'espère que je ne t'ai pas perdu. Et moi, à la base, je me demandais le Weave LDOpt, à quoi il sert. Hop. T'es où ? Nginx. Hop. Set additional parameters that will be used during linking. Ok. Donc, c'est pas... Ah oui, tiens, j'ai loupé un peu dans le chat. Le mot cloud, est-ce que ça parle du... Ah oui. Effectivement, Nidouille a raison. Hop, si je reviens sur les dynamiques. Et donc, a priori, Nginx n'est toujours pas un module dynamique côté NetBSD, si je pige bien. Ok, je pense qu'il y a le... Ok, bah super, Chavenet. Alors... Ah oui, il a refait un truc 3W Nginx. Ok, très bien. Tu es en voiture, donc plus de chat. Pas de soucis, Chavenet. Pas de soucis. Ok, donc cette fois-ci, je vais arrêter mon... Il est passé où, mon... Bon, à la limite, lui, il continue de tourner. Mais normalement, si maintenant je viens ici et que je vais dans le paquet de source, il sera en local. Je dois avoir mon WIP. Là, si je fais un git pull -r, ça devrait être déjà un petit peu mieux. Alors, il va me réclamer le mot de passe de ma clé SSH, bien entendu. Puisque là, normalement, je suis en local sur la VM, qui est sur mon PC. Donc, ça devrait être un petit peu plus rapide. Hop. Tiens, voilà. Entre-temps, il y a quelqu'un qui est en train de contribuer, qui a poussé des... Hop. Allez. Et là, si je fais un CVS update-dp, hop. Hey, salut à toi, Cool Geek. J'espère que ça va, que t'as passé un bon week-end. Non, pas Emma. Make file. Hop. Delete. Voilà.
Donc, si je tente un make package, alors pendant que le CES... Ah, punaise, pourquoi il me dit permission denied public key? Pourtant, j'ai... Ah, pourtant, j'ai l'ID NetBSD qui est là. J'ai ma clé privée, j'ai ma clé publique. Pourquoi est-ce qu'il m'envoie bouler? Je vais me déconnecter. Voilà, là. Et je vais virer dans ma conf ton ancienne boîte migre vers le cloud. Ta boîte actuelle, c'est l'inverse. Amusant comme jeu de chaise musicale. Netbsd.conf. Non, c'était pas celui-là que je voulais. Ah bah non, effectivement. Et ouais, vu que je forme... Ah ouais, je forward, ouais, d'accord, ok. Salut à toi, Yorzian. On va recommencer. Donc là, normalement, il va me réclamer... Ah non, attends, la machine NBDF, je fais pas de forward d'agent. Raised keys. Donc effectivement, c'est bien ma... Ok. TMUX. J'ai dit TMUX. Project. CVS. NetBSD. Package source. Et si je retente un CVS update... Permission denied. Ah, oui. Hop, alors. Et je crois que j'avais mis pour le CVS. Hop, il y avait... Alors, je m'étais retrouvé avec des blagues. Je crois que j'avais mis cette option-là. Et j'avais fait... Alors, ça, c'est moche, mais... Ça devrait passer. En tout cas, je l'espère. Hop. Hop. Allez. Non, toujours pas. Oh. Qu'est-ce que c'est que cette blague? Pourquoi il me denied? Pourquoi ça passe? Alors, si jamais je fais un SHA 256 de... Hop. Donc ça, déjà... Ok, donc ma clé privée, que les choses soient très claires, ma clé privée est bonne. Puisque de toute façon, j'ai un... Ah, c'est peut-être pour ça. C'est que vu que j'ai déjà un CVS update qui tourne depuis la même IP, il est peut-être pas content. Il accepte peut-être pas d'avoir plusieurs connexions. Ce que je pourrais comprendre. Hein. Après, sachant qu'il est déjà en train de faire 6 utils. Bon, c'est pas grave. Je vais le couper quand même. Et on va voir ce que ça donne. Si je reviens ici. Je pense qu'il va me jeter aussi, en fait. Ah ! Voilà, si, il m'a jeté. Bon, et ben c'est pas grave. Hein. On va faire 100 pour le moment.
Allez. Donc a priori, au niveau des options, voilà. On va faire un make package sur Nginx. Tiens, allez, hop, make package. Qu'est-ce qu'il est en train d'essayer de me compiler le. Je t'ai même pas demandé. J'ai demandé à tout le monde s'ils avaient passé un bon week-end et même pas à toi, Yorzian. J'espère que t'as passé un bon week-end. Bon, ok, c'est pas ultra. Ça va, la compilation de Nginx, ça a pas l'air d'être le truc le plus bourrin sur la charge. C'est marrant ça. Genre un mec ça bosse un peu plus quand même. Yep, nickel, le week-end, tu es rincé avec le beau temps. T'as fait plein de bricolage autour de la maison. Ah, c'est ça quand on a une maison. Puis il va falloir tondre la pelouse aussi. Si c'est pas déjà fait. Tu l'as tondu dans la semaine. Eh ben. Je compatis parce que moi, tondre la pelouse. La dernière fois que j'ai fait. Que j'ai tondu une pelouse. Je me suis retrouvé en réaction allergique à cause de tous les trucs. Faudrait que je tonde la pelouse genre avec un masque FFP2. Alors, on a un paquet qui est compilé, qui est buildé. Ok, ça c'est cool. On va pouvoir jeter un œil dans le répertoire. Alors pourquoi je fais un ll-a, c'est qu'on va aller voir. Vous voyez, on avait d'abord le fichier, le répertoire Nginx. Allergique aux graminées des pelouses. Ouais, il y a un peu de ça. Ce que je voudrais voir. Ah, punaise. Ce que je voudrais voir, c'est. Voilà, point desdir. Là-dedans, il y a des choses assez intéressantes. Work.desdir. En fait, ce qui est assez sympa, c'est que quand on veut créer un package, package source netBSD, et ben, avant qu'il nous fasse l'archive, qui est le paquet binaire, et ben, forcément, les fichiers, il faut les mettre quelque part. Avant de faire le tar. Et donc, c'est dans le répertoire .desdir. Donc, ESR, PKG. Et là, on peut voir tout le reste. Et donc, si je vais dans share, examples. Ok, Nginx, ok. PKG. Donc, on a un sbin dans lequel on a le fichier Nginx. Mais on n'a pas, par exemple, de PKG lib. Donc là, vraiment, si je fais même un tri de ça, voilà, on peut voir qu'en gros, on a juste... Hop, ici, on a juste un binaire Nginx. On a un gros binaire Nginx qui contient toutes les fonctionnalités, en fait, qui contient tous les modules qu'on aurait voulu ajouter, par exemple. Donc là, en l'occurrence, si je vais regarder dans options.mk, les options activées par défaut... Ça, c'est les options supportées, les options, options legacy... Donc a priori ça doit être tout ça. Configure args. Module pass prefix lib exec nginx. Ah! Dynamique module. Donc a priori. Donc ça c'est à chaque fois la configuration de chaque module. Ok.
mais... on aurait un add base mode configure add module pass. Add dynamic module. PKG option MDSO. Ah non, pourtant, a priori, on... ah, c'est supporté. Ok. Donc c'est supporté, mais ça serait pas par défaut? Bon, ok, ça c'est new syslog. Donc ça c'est la partie ok. Alors, donc a priori, bah de toute façon, vu que j'ai, alors, vu que j'ai compilé Nginx de façon par défaut, et qu'il m'a fait un gros binaire, j'en déduis que les modules qui ont été compilés, hein, quand je fais mon... quand je vais dans point slash work, quand je fais un point slash work, ou je peux même faire dans point desdir d'ailleurs, work.desdir usr pkg sbin nginx moins grand v, là on peut voir toutes les options qu'il m'a faites. Donc en gros, a priori, tous les modules sont, sont en dur. D'ailleurs, je suis presque surpris de pas voir. Alors. D'accord, en fait, voilà, c'est là les arguments. Donc il a mis les arguments de configuration ici. D'accord. Mais ce que j'aurais aimé voir, c'est quels sont les... PKG option var. PKG option.nginx, ouais. Alors, ce que je suis tenté de vouloir faire... ce que je suis tenté de vouloir faire... c'est d'aller... alors, on va aller retourner dans document project. On a dit CVS. On va aller dans MK. Hop, ça c'est un répertoire particulier. On en parlera bientôt, j'espère. Et... bsd.option.mk, voilà, bsd.option.mk. Est-ce qu'on aurait un Nginx là-dedans? Non. Voilà, alors. C'est quoi celui-là? Default option point description. Ouais, non. Non, j'ai pas de Nginx là-dedans. Alors, en gros, qu'est-ce que je suis en train de chercher? Je suis en train de chercher les options de compilation, les options du paquet Nginx. Puisque donc Nginx a pas mal de modules. Et j'aimerais bien vérifier que... j'aimerais bien savoir quelles sont les options qui sont... remarque, je dois pouvoir faire ça d'une autre façon. Je crois que c'est make show-options.
Voilà. Allez. Donc ça, c'est Indy. Qu'est-ce qu'il y a comme option possible? Il faut au moins sélectionner PCRE, PCRE2. OK. Et ces options-là, voilà, sont activées par défaut. Ben voilà, j'ai la réponse. Donc, OAuth request, JZIP, HTTP2, memcache, PCRE, RealIP, Slice, SSL, Status. Et ces options-là sont actuellement... Bah oui, OK. Donc, ce que je vais pouvoir faire maintenant, et ça, je voudrais vous le montrer, comme ça, au moins, je voudrais vous montrer un truc sympa aujourd'hui, c'est qu'on va aller... sudo vi etc. Alors, est-ce qu'il y en a un de fichier mk.conf? Non, il n'y en a pas. Donc, on va le créer. Et on va lui dire pkg option comme ça. Et ce qu'on va lui dire, c'est qu'on va lui dire alors point nginx, on va faire plus égal et on va lui rajouter des choses. Et ce qu'on va lui rajouter, c'est qu'on va lui rajouter... Déjà, on va lui rajouter Naxi, hop, pour tester. Hop, Naxi, hop. Et là, je vais revenir dans mon truc. Si je refais mon nginx moins grand V, voilà. Donc là, si je fais un pipegrep Naxi, il est compilé? Je le vois pas. Ah, mais oui, c'est que c'est dans le... ok. Dedans, hop. C'est qu'en fait, il balance sur stdr. Voilà. Et si je fais grepcolor nginx, voilà. Là, on a ce qu'il faut. Si je mets naxi... Donc, le module naxi n'est pas compilé dans nginx. En tout cas, dans les options par défaut. Donc, aujourd'hui, si vous installez nginx via les paquets binaires officiels de NetBSD, naxi n'est pas dispo. Si je veux, moi... avoir mon package nginx avec naxi dedans. Donc je suis allé modifier dans /etc/mk.conf, je suis allé rajouter l'option pour rajouter le module naxi, parce que c'est possible. Et maintenant je peux faire un make clean, hop, clean-depends. Voilà, donc il me met tout ça au propre. Et maintenant je peux faire un make package. Ah, là il m'a téléchargé naxi. Enfin, en tout cas, il m'a téléchargé les sources. Donc, il va mettre un petit peu de temps pour compiler tout ça. Je rajouterai peut-être du CPU et de la RAM à la machine. Il faudra que je voie pour cette histoire de clé SSH qui passe pas. Faudra que je débug ça hors stream. Bah justement, Cool Geek, le côté non modulaire de Nginx, c'est censé être du passé. C'est censé être du passé. C'est pas garanti que toutes les distribs soient passées à la version module dynamique, mais... mais c'est du passé. On peut faire du module dynamique. Maintenant, avec Nginx, tu vois, on a même l'option de compilation qui dit, au fait, voilà le répertoire dans lequel tu fais des modules dynamiques. Ok, donc là, maintenant, je peux refaire un... Hop. Faire un nginx-v et si je refais, voilà, là on peut voir que naxi a été ajouté cette fois-ci. On le voyait aussi là, mais on le voit en couleur maintenant. Ok, donc ça c'est cool. Maintenant si je refais un tri dans le point work, dans le work, voilà, alors qu'est-ce qu'on peut voir? Ouais, non. Hop, plutôt dans le lesdir. Voilà.
Et donc là, la problématique reste la même, c'est-à-dire qu'on a juste un gros binaire Nginx. Et a priori, si j'utilise DSO, si j'ai bien compris, il va faire en module dynamique. Donc je vais rajouter l'option DSO. Donc c'est reparti, make clean, make package. Je suis en train de me demander si je devrais pas pouvoir rajouter une option à make pour lui dire, eh au fait, bah oui, un make moins j quelque chose normalement. On devrait pouvoir le rendre un peu plus rapide. Bon, j'aurais peut-être pas commité aujourd'hui, mais j'aurais quand même montré des choses et appris des choses intéressantes. Parce que pour le coup, je savais pas où ça en était de l'activation des modules dynamiques. Et éventuellement envoyer, peut-être que j'enverrai peut-être un petit mail au mainteneur pour lui demander s'il compte le mettre par défaut un de ces jours. Je suppose que ça n'est pas par défaut pour une raison très simple. C'est que ensuite, idéalement, il faudrait créer un package par module pour pouvoir dire j'installe Nginx et ensuite j'installe des modules. Et j'imagine que ça va se faire en plusieurs étapes. Ok, donc cette fois-ci... Voilà. Voilà, là j'ai un point SO. Super. Donc il y a des options de base qui a priori seront pas forcément en module dynamique. Mais là maintenant... On peut avoir, voilà, j'ai mon module Nginx qui est en point SO. Donc ça c'est cool, c'est un truc que j'envisageais moi de faire il y a quelques temps, et finalement ça a été fait à ma place, donc c'est très bien. Ça fait ça de moi à faire, on va dire. Et ça m'a permis de vous montrer que en fait, lorsqu'on crée ces paquets, comment dire, lorsqu'on décide de compiler soi-même les paquets, eh ben, on a une certaine granularité dans les options de compilation pour peu qu'elles soient prévues. D'ailleurs, même, ouais, non, mais c'est assez sympa. Est-ce qu'on n'aurait pas un autre module sympa qui vaudrait le coup? Hop. Si je refais un make show option. Donc, voilà, il y a le DSO et le Naxi qui sont ajoutés par rapport au truc par défaut. Qu'est-ce que je peux rajouter de sympa? Parce qu'a priori, il y a déjà les trucs, j'ai envie de dire, il y a déjà les trucs utiles. Hein. Il y a SSL, il y a HTTP2, il y a même cache. Gzip il y est. Oui, Gzip il y est, alors logique. UWSGI c'est bon. Bref, bon, de toute façon, on va pas en rajouter 25, hein, mais. Real IP, tiens. Real IP, il n'y est pas par défaut. Pourtant, ça peut être utile. Hop. Et ce que je vais faire, c'est que je refais un make clean. Et tiens, ce que je vais faire... on va faire un time make package. Ah, il est déjà présent?
Dans les currently enabled. Ah mince. Mince, mince, mince. Oh, on va. Hop. Allez, make clean. Make show option. Tac. Enable par défaut. House request gzip HTTP2. Ah oui, real IP il y est. Donc effectivement, ça sert à rien de le rajouter. Oh, allez, tiens, GOIP2 il y est ou pas? GOIP2, a priori, il n'y est pas. Allez, on va rajouter GOIP2. Et ensuite... Donc... Ce que je voudrais voir, c'est si ça vaut le coup de rajouter pour Nginx le... Regarde la deuxième liste. Oui, ça prend en compte la mienne. Effectivement. Bien vu, Cool Geek. Qu'est-ce qu'il m'installe? Ah bah oui, forcément, il a compilé la bibliothèque. Donc il gère les dépendances, forcément. Donc il faudra que je relance à nouveau ça. Parce que le time va pas être logique. Alors là, il est en train de builder Nginx maintenant. Et on va le relancer après. Remarque, je peux même le couper déjà vu que le package est installé. Allez, on va faire ça. Hop. Voilà. Ok, donc là c'est reparti, il build. Et il buildera donc avec avec GOIP2. Donc là il va mettre un petit moment. Et après ce que je vais vouloir faire, c'est que je vais vouloir relancer la compilation, la création du package, mais en rajoutant des threads make. Et de voir un peu si ça améliore un peu la vitesse. J'en profite parce que, en fait, grosso modo, vu l'heure, et comme de toute façon, il me reste grosso modo un peu moins de 20 minutes de stream, ça sert à rien que je me lance sur un autre truc. Donc j'en profite pour montrer un peu plus les différentes options de packaging qu'on peut voir. Ce qui sont déjà assez intéressantes, hein. On a pu voir qu'on peut modifier les options d'un package. Et c'est assez classe, je trouve. Ok, par contre, il m'a fait une erreur. Fichtre! Ah, il m'a fait une erreur à cause de la playlist. Ok. Mais pourtant... Alors si je fais juste un make, ça devrait suffire ça. Allez, make clean. Au lieu de make package, je fais juste make. D'ailleurs, ça fera des trucs en moins. Alors je suspecte que de fait, la peinture soit pas sèche sur la partie module dynamique. Et que donc pour gérer... l'ajout de fichiers complémentaires, ce soit pas encore tout à fait ça. C'est un truc qu'on pourrait essayer de regarder. Alors, il prend son temps. Enfin, il prend son temps, il prend son temps. Ah, il a quand même une load de main. La cuisine t'appelle, pas de soucis, Cool Geek. Bonne cuisine, bon appétit. Et encore merci d'être passé.
Ok, donc là cette fois-ci, on a eu ça, voilà. Allez, je vais me le mettre de côté, parce que j'ai pas un éditeur. Hop, texte édite, j'ai édite. C'est bien ça, j'ai édite. Voilà. Et ensuite, ça va être parti. Alors, on va faire un make clean quand même, voilà. Et on va faire un time make, mais cette fois-ci, si je fais un moins j. Je sais plus si c'est moins petit ou moins grand J. Ça va être moins petit J. Je vais faire 4. Non, il aime pas. Ça va être moins grand J alors. Non plus. C'est Jobs. Variable d'environnement de Jobs, non? Ok, c'est parti. Attends, j'ai pas. Tiens, j'ai vu ça que j'ai le leverage ici. Module dynamique serait dispo uniquement sur la version payante? Bah non, là j'ai compilé un module dynamique, Chavenay. Hey, fais six citations, Nebed. Non, non, Chavenay, elle est pas que sur la version payante, hein. Là, on recompile avec des modules dynamiques, hein, et crois-moi que dans Package Source, c'est la version open source de Nginx qu'on a, hein. Il n'y a pas de souci, Chavenay. En gros, pour te la refaire en audio, on va dire, dans les paquets NetBSD, dans les paquets package source, tu peux choisir d'ajouter des options à tes paquets si elles ont été, on va dire, créées par le packager. Et dans les options qu'on a pour le paquet Nginx chez package source, on peut décider de mettre les modules qui sont compatibles en module dynamique. Et on a fait le test avec le module Naxi, et on le refait avec le module GeoIP2. Et donc on se retrouve bien avec des modules dynamiques. Bon, en fait, j'ai l'impression que soit j'ai pas utilisé la bonne option pour augmenter le nombre de threads de compilation. Le nombre de jobs, parce que la différence est pas ouf. Bon, et en tout cas, si je refais un tri, hop, work des dire. Ah bah oui, non, work nginx, hop, obj, add-on. Ah bah de toute façon voilà, dans Obj, voilà, on voit tout de suite, on a le Nginx, on a le GeoIP et on a le Naxi module en .so. Si je regarde le plist, est-ce qu'il me met. Ah oui, plist.dso. Et il m'a pas mis le GeoIP2? Si, il m'a mis. Bon, si je fais make package. Ah non. Il dit qu'ils sont dans le playlist, mais ils sont pas présents dans le répertoire qui va bien. Tiens, marrant. Marrant. Eh bien, bon appétit à toi, Nidouille. Bonne soirée à toi aussi. Ok, bon. C'est bizarre cette affaire. Pourquoi le. On va jeter un œil quand même à ça. Parce qu'on est d'accord que. DSO, ok. Et GeoIP, libexec, Nginx stream, GeoIP2 module. Fichiers qui sont dans le plist mais qui sont pas dans le point d'esdir. USR PKG, Nginx. Hop. Il est dans Work Nginx 1.22 Obj. Alors, hop, GeoIP. Donc ça, c'est le GeoIP classique. GeoIP2, qu'est-ce qu'il me dit? Dist files, GeoIP2 dist file, oui. GeoIP2. Ça, de toute façon, il l'a compilé. Il a inclus la dépendance sur la bibliothèque de MaxMind, ça c'est normal.
Pourquoi est-ce que il me dit qu'il est pas... Parce qu'a priori, les objets sont au même endroit. USR PKG, libexec. Desdir USR PKG. Desdir USR PKG. Ouais, mais il y a un libexec Nginx. Nginx, HTTP, GOIP2, module. Ah! Le truc s'appelle le... Ah! Il y a une typo! Il y a une typo! Il y a une typo. Alors la question que je me pose, c'est est-ce que cette typo a été corrigée? Alors, cvsweb.netbsd.org. Si je me rappelle bien. Parce que si on attend que le CVS update se termine, on n'est pas sorti de l'auberge. Je l'ai relancé quand même au cas où, mais... On est d'accord que j'ai toujours un accès à internet, hein, vous m'avez toujours. NetBSD, ok. Développeur cvsweb.netbsd.org. On est d'accord. cvsweb.netbsd.org. Il se traîne. Alors à moins que. Si je fais celui-là. Ouais, ça revient au même, hein, c'est. Hop. Stream toujours up. Ok, merci Little Black. Ok, donc si ça se trouve... alors, si je le fais en HTTPS direct, ça ira peut-être plus vite. Non. Il y a des gens qui arrivent à accéder à CVS Web ou pas? Je suis en train de me poser la question, là. C'est fou. En plus, c'est lié sur les... Ok. Donne de ton côté aussi. Donc, ok, c'est peut-être pas que... Ok, donc c'est juste un coup de pas de chance. Ça arrive. Si je tente un... Est-ce que j'ai cœur là-dessus? Ouais, j'ai cœur. Ouais, ok, bon. Si je tente un cœur moins V, qu'est-ce que ça donne? Trying, ok. Remarque, le truc étant au Japon, c'est vrai qu'il il va se traîner un peu. Ok, bon, et bah tant pis. Il faudra que je regarde. Ah, back de ton côté. Ok, cool. Bon, je vais refaire une. Sur une connexion free. Hop. Alors, je disais donc cvsweb.netbsd.org. On va quand même le tenter. Bon, ça, c'est bon pour fermer. Hop, ça c'était les derniers changements, mais ça c'est bon. Non, ça c'était ouais, les changements, d'ailleurs les Nginx. Ah, c'est récent en plus. Ah oui, c'est vrai qu'il n'y a plus de lien FTP. Et tu peux le ping. Ok. Et eh ben dans ce cas-là, tu peux aller jeter un œil. Alors c'est un peu dommage, parce que si je l'ai pas, c'est... ça ne se fait... C'est pas ouf. Oui, 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 c'est... Bah, c'est la même IP. Hein.
Hop, je l'ai là. Mais en gros, j'aurais aimé voir quelles étaient les dernières... Ah non, c'est pas ça que je veux. C'est le lien que je veux. Hop. Voilà. Oh punaise. Ah, voilà. Ouais, ça c'est plus les la description, les builds, les runtime, les liens vers les... Ok, d'accord, bon. Il n'y a pas d'infos sur les mises à jour. Ok. Et là, j'ai toujours rien. Et pendant ce temps, le CVS update, lui, il avance pas de toute façon. Donc, je peux toujours pas le lancer ici, hein. Non plus. Et ben en fait, ce que j'aimerais, c'est que tu regardes dans le fichier. En gros, ce que je suspecte, c'est que le fichier distinfo. Non, pas fichier dist. Le fichier plist. Je suspecte qu'il y ait une erreur dans le fichier plist. Et je me demande si l'erreur n'a pas déjà été corrigée et que j'ai juste pas encore la dernière copie du fichier plist, en fait. Puisqu'en plus, ouais, mon plist, il date du 29 mars. C'est qu'en gros, dans le répertoire 3w/nginx, hop, tu as, pour GeoIP2, tu vois, là, il y a écrit NGX stream GeoIP2 et en fait, le fichier ne s'appelle plus comme ça. Donc... Donc la question que je me pose, c'est est-ce que sur la dernière version qui est disponible sur Internet... Remarque, attends, je peux m'y prendre d'une autre manière aussi. Hein. Je peux aller directement packagesource.org. Hop. Source package. Download the current branch à Starball. Voilà. Hop, allez. Copier le lien. Sérieux? Alors je pourrais le faire en utilisant la commande FTP de NetBSD, mais... Ah tiens, ouais, je vais le faire comme ça, pour le lol. Hop. Voilà. Bon, j'ai quand même installé wget, mais c'est pas grave. Xvpf1, hop. Voilà, ça va beaucoup plus vite quand même, hein. Allez, on y est presque. On est déjà dans le 3W. Le temps que je le dise, on est passé à time. Texte. Mais c'est vrai que c'est un peu ennuyeux qu'il y ait plein de petits fichiers. Ça aide pas. C'est marrant ça, il était pas censé, enfin il était déjà au 3W et en fait il les a fait avant. Ah, il le fait dans l'autre sens, il le fait à l'envers. Il le fait pas dans l'ordre alphabétique, il le fait dans l'ordre inverse. le petit malin tard, dis donc. Ah ça va, il va quand même relativement vite à décompresser. C'est rassurant. Allez, on y croit, devil. Remarque maintenant, maintenant que ça c'est fait, ce que je peux faire, c'est aller ici, je peux aller dans TMP. Puisque de toute façon le 3W a été décompressé,
Donc je vais dans 3W, je vais dans Nginx, et là je peux jeter un œil au playlist. Et en fait, non, il n'a pas été. Il n'a pas été. Alors la question qu'on peut se poser maintenant, si je fais un petit VI dans options.mk et que je vais chercher GeoIP2, voilà, là il dit dist name, ok. Plus rapide que toi. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Bah tiens, entre temps, voilà, il a fini. Décompressé. Est-ce que le site est dispo? Ah bah non. Non, erreur de chargement. Bon. Donc autant. Oh, j'ai eu raison. Donc en gros, si je comprends bien. Si je comprends bien, si je vais chercher sur GitHub, je suis curieux. De voir s'il y a eu des mises à jour. Hop. 3.4, ouais, ok. Est-ce que dans les. Est-ce qu'il y a des. Non, il fait pas de changelog. Il fait pas de changelog. Alors, si on regarde les commits, qu'est-ce qu'il nous raconte? Merge pull request, update, merge pull request, update readme. Ah! En gros, je me demande si. Merge pull request. Fix build on stream module. Non, c'est pas ça. Parce que je me pose la question de à quel moment est-ce que le nom du fichier a changé. Nginx HTTP GeoIP2 module, ok. Ouais, non, là il te dit bien. Alors, ce qu'on peut peut-être faire, c'est aller regarder sur le readme, readme.md, et on doit pouvoir faire un blame. Voilà. Et à quel moment... Ouais, non. Non, non. Donc, ce serait plus une faute de frappe côté packaging. Parce qu'a priori, le truc, ouais, module dynamic support, obj, gngx, http, il n'y a pas de stream, a priori. Il y a 3 ans. Ouais. Donc, en gros, là, on a repéré un truc. On a repéré un truc. Et alors, ce qu'on peut faire, c'est revenir ici au niveau de la compilation. Et je peux faire un VI du playlist directement. Et au lieu de... On peut faire ça. Voilà. Et ensuite, make clean. Et on va faire un make package. Et là, normalement, ça devrait passer. Non, pas time, parce que a priori, la différence de temps n'est pas, pas significative. Ça aurait eu un intérêt si j'avais changé le nombre de CPU sur la VM, pour voir si ça compile plus vite. Je suis presque content d'avoir trouvé un truc. Alors je le commiterai pas. Parce que parce que vous avez vu que mon répertoire de travail est peut-être un peu en bazar. Avec ces histoires de CVS update qui mettent des plombes, ou alors de ma clé GPG qui est pas ma clé BGPG, mais avec ma clé SSH qui a l'air d'être. Enfin, je comprends pas comment ça se fait que j'arrive pas à CVS update depuis la VM. Un peu bizarre. Donc il faudra que je regarde ça hors stream. Mais l'idée, ça va être que, bien entendu, de pousser la modif à un moment. Mmh.
Non, toujours pas. Alors attends. Find work montype f-name étoile.so. Ah, il s'appelle ngx-http. Hop là, allez. Ça doit être. Plist. Ah, d'accord. Ok. Hop. Voilà. Si je fais un CVS diff, normalement sur le playlist, je devrais voir la différence. Ah oui, mais non, comme il... Ok, d'accord, ok. Allez, on va refaire un make clean. Bon, remarque, je vais peut-être relancer un make package, ça devrait suffire. Non, toujours pas. NGX, je vais IP. Voilà, on va refaire un make clean. On va repartir de... depuis des basses scènes et après... on s'arrêtera là. Hop. C'est un peu dommage, du coup je relance la compile en entier, mais... Bon, en tout cas, même si j'ai pas vraiment fait de la modif de package de façon un peu plus, comment dire, en profondeur, je suis assez content. Je suis assez content parce que ça m'a permis de vérifier que finalement la partie des modules dynamiques est en train de venir dans package source pour Nginx. Ça faisait partie des choses que j'avais envie de voir. Donc ça, je suis déjà très content. Alors, idéalement, ce que j'aimerais, c'est qu'à terme, il y ait des paquets séparés pour les modules. Mais ça, je crois qu'il va falloir, du temps. Après, il faut voir si c'est une volonté aussi du mainteneur, qui n'est pas moi, pour le coup. Et puis il y a d'autres packages aussi sur lesquels je vais vouloir avancer. Alors déjà, il y a logrotate qu'on n'a finalement pas fait. Ok, bah voilà, il l'a fait. Il m'a fait le package. Et si jamais je fais un petit... on va faire copier, on va faire un tar-tvf de ce truc-là. Less. Voilà. Et on peut voir dans mon paquet, on a bien... Voilà. Alors là, Nuxi, on l'avait déjà, mais surtout, on a le GeoIP. Ok, et eh ben c'est cool. C'est cool, tout ça. C'est plutôt cool. Malgré tout, il y avait un truc intéressant. Il y avait des trucs intéressants. Voilà, nickel. On a pu voir donc cette histoire de module dynamique avec Nginx. On a pu voir qu'il y avait une petite faute de frappe. Et qu'on pourra l'indiquer dans... Je pourrais essayer de la comité bientôt. Bien, donc, eh ben on va s'arrêter là pour ce soir. Mais avant, comme d'habitude, eh ben, si vous souhaitez si vous voulez voir la suite, en fait, c'est surtout ça. Si vous voulez voir la suite, eh ben, ce sera dimanche prochain à 18h. Mes streams de contribution à NetBSD et Package Source, eux, sont les dimanches de 18 à 20. Je stream aussi les jeudis de 20h à 22h, mais en ce moment, les jeudis, on fait plutôt du conteneur Linux. Alors, pas du Docker, mais du Podman, mais c'est pas grave, c'est compatible. Et on l'automatise à grands coups d'Ansible. Jeudi dernier, en plus, on s'est pas mal amusé avec Pyhole en conteneur. On s'est rendu compte de trucs assez marrants quand on veut rajouter des répertoires, des volumes dans les conteneurs. Des fois, il y a des petits soucis. Exactement, ouais, on s'est bien amusé avec Ansible et avec le conteneur Pyhole. Et je compte bien continuer ça jeudi prochain. Alors, entre les streams, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, vous pouvez très bien venir sur le Discord, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux. Si vous voulez toute la liste, que ce soit le serveur Discord, mais ma présence sur les réseaux sociaux, vous pouvez faire point d'exclamation socials dans le chat. Ça va vous renvoyer vers anotherhomepage.org, qui est ma page d'accueil, et vous allez retrouver tous les liens, et vous allez même retrouver
On l'a corrigé entre-temps depuis jeudi. Vous allez normalement pouvoir aussi utiliser quelques services que j'héberge, notamment un private bin et un système de partage de fichiers. Avant de partir, on va raider quand même quelqu'un, si jamais il y a quelqu'un à raider. Et comme par hasard, il y a quelqu'un à raider. Comme tous les dimanches, ou presque, on va aller raider Adrien de Linux Trix, qui est en train de streamer de la musique. Puisqu'il y a Monsieur Mix sur Twitch, il ne fait pas d'informatique. Donc, eh ben, comme d'habitude, je vais mettre la page de fin de live, mais restez là pour aller raider Adrien. Je vous souhaite une bonne fin de week-end, une bonne soirée. Vous pourrez aussi effectivement retrouver Yorzian. Tiens, je vais peut-être te faire un shoot-out avant. À 21h, puisque Yorzian sera en live normalement. Hop. Voilà. Et on va pouvoir lancer le raid. Allez, à bientôt. Rendez-vous jeudi et dimanche prochain. Ciao !